Bonjour mes très chers, ici Dominique d'actualité-dvd.com, vous parlant du film Les enfants de Templeback, version DVD. Une distribution de TVA Film, une réalisation de Nicolas Barry et une adaptation d'Henry Winterfeld. Mettant en vedette l'immense Gérard Depardieu dans une toute petite interprétation. Ainsi que dizaines et dizaines de tout petits dans d'immenses interprétations. Rien ne va plus pour les parents dans le village de Templeback, qui, à court de moyens, décident d'abandonner littéralement leurs enfants, qui, malicieux mais astucieux, se verront laissés à eux-mêmes, pour ainsi tenter de coexister parmi toutes ces déchirées, envolées et divisées territoriales. J'ai tellement adoré ce film, qui m'a ému, vraiment, vraiment, mais vraiment, du début à la fin. Mes sentiments ne sont certes pourtant point faciles d'accès à plusieurs égards, mais lorsqu'il s'agit d'enfants, j'ai toujours tendance à être un peu plus vulnérable. Et c'est en enfant de 10 ans que mon cœur en est ressorti du visionnement de ce film. J'ai donc écoulé quelques 19 années au simple passage de ces scènes si merveilleusement représentées en parfaite harmonie avec ces jeunes racines florissantes que sont ces petits êtres adorables, tant que vilains en personnages, que nous aurions tous envie, sans aucune exception, de serrer fort contre nous, tout en leur priant de conserver cette lueur de vie et de jeunesse éternelle se trouvant dans leur regard. Souvent, très souvent, en écoutant un film contenant de bons éléments, je me sens envahi d'impressions de manque d'exploitation justifiable en leurs ressources. Mais, dans celui-ci, vraiment 10 sur 10. Et je le redis, 10 sur 10 à l'exploitation, à perfection, de chacun de ces petits artistes qui n'ont nullement laissé paraître manque d'expérience quelconque due à leurs âges, qui, soit dit en passant, aurait été très compréhensible. Ce n'est pas compliqué, on voudrait tous les adopter, du plus petit au plus grand, et même jusqu'au plus gros. Le film est disponible en français seulement, ni aucun supplément à offrir. Deux choses dont je trouve regrettable. J'aurais fort bien aimé que le peuple américain découvre cette mine d'or, se situant entre Peter Pan, Little Rascals, Harry Potter, sans les tours de magie, et pourquoi pas la guerre des tuques. Et pour l'absence de suppléments, j'aurais bien apprécié de voir tous ces petits esprits à l'œuvre, ainsi qu'en bloopers. En fait, nous les démontrant sous leur vrai jour, aussi adorables que puissent-ils être. Et le son est en 5.1 Dolby Digital, format de l'image 2.35, 16:9. La durée est d'1h45. Ah oui, et aucun sous-titre n'est disponible non plus. Tout ce que je pourrais me permettre d'ajouter maintenant, c'est « Dépêchez-vous donc pour en faire une suite, avant que ces petites fleurs infanables ne se voient souillées par notre monde de cupidité, fausseté et lâcheté, laissant pour ainsi marque irréparable sur ces innocences incarnées. » Merci à tous, c'était Dominique d'actualité-dvd.com qui vous rappelle de demeurer le cœur jeune, de ne jamais perdre espoir et par pitié de préserver cette lueur de magnétisme magique qui se terre tout au fond de notre âme à chacun et se laissant ainsi transparaître de notre regard. Ne l'éteignez surtout pas pour de mauvais prétextes, quels qu'ils soient, car ni l'argent, ni la haine, ni la compétition où les responsabilités possèdent la monnaie d'échange pour troquer une brillance de jeunesse à conserver chaleureusement plaquée contre notre cœur. Ça n'a pas de prix. Merci. Au revoir.